Il y a un an, Pierre Palmade provoquait un terrible accident de la route qui brisait à jamais la vie de toute une famille. Alors que le comédien conduisait sous l'emprise de stupéfiants, son véhicule a percuté une voiture dans laquelle se trouvaient un père et un fils, ainsi qu'une femme enceinte de son premier enfant, qui a perdu son bébé suite à cet accident. Un drame pour les trois victimes qui garderont des séquelles à vie. Il cherche surtout à revenir alors que l'humoriste devrait bientôt jugé. Patrick Adler a fait de nouvelles révélations ce lundi 19 février 2024, sur le plateau de Jordan Deluxe. C'était un ami, on s'est connu pendant 4 ans, pendant la classe, une émission de télé, note de la rédaction. On s'est vu après, pas mal de fois, précise l'humoriste. Et de préciser, et puis il avait aussi, par rapport à l'alcool, des choses qui nous ont un peu séparés, c'était agaçant, mais en même temps, j'étais assez fasciné par sa capacité à écrire et son efficacité. Je trouvais que c'était un type extrêmement brillant et je trouvais que c'était du gâchis. Mais alors que Pierre Palmade doit essuyer des critiques depuis le terrible accident qu'il a provoqué, un accident dont le procès va bientôt débuter, Patrick Adler a fait une révélation très surprenante sur son ancien ami. Il cherche surtout à revenir. Je pense qu'il n'aime rien tant que d'être dans la lumière. Il a toujours aspiré à cela. Des révélations qui n'ont pas manqué de surprendre Jordan Deluxe. Patrick Adler poursuit, oui, il cherche à revenir. On en avait parlé un jour avec, François, Rollin sur un salon du livre. Et il me dit, ce qui est assez drôle, c'est que dans sa tête, il reviendra. Dans son discours, c'est ce qui apparaît. Et d'expliquer quelques minutes plus tard, je pense que ce sont des mécanismes de défense. Il se dit oui, je vais payer l'addition, mais après tout. Voilà, pour lui, c'est une vilaine parenthèse mais qui sera oubliée parce que peut-être qu'il joue sur son charme naturel, il pense que les gens l'aiment bien. Pierre Palmade @dr Patrick Adler toujours en contact avec son ancien ami? Patrick Adler précise que cette confidence a été faite il y a quelque temps. Depuis, tous ont pris leur distance avec l'ancien meilleur ami de Muriel Robin. On a tous, en accord avec son avocate, mis quelques distances, révèle Patrick Adler. Si ce dernier ne veut pas être associé à cette terrible affaire, il précise toutefois, en revanche, je n'ai pas apprécié, qu'on l'attaque encore alors qu'il était déjà à terre. Il faut dire que quand on lui demande quel sera l'avenir de celui qui a été son ami dans le passé, Patrick Adler avoue, je n'en vois pas. Et vous, que pensez-vous de ces confidences ?